Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur Montalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler de tricot. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai laissé passer un petit peu une quinzaine pour avoir le temps de tricoter 2-3 bricoles et de vous les présenter. Donc au programme, des objets terminés, des encours et puis je vous présenterai quelques patrons que j'ai trouvé sur Ravelry, comme je fais souvent. Je suis très heureuse des retours que j'ai eus sur mon Vlogmas. Ça vous a bien plu et j'en suis heureuse. J'ai aussi regardé plusieurs podcasts et j'ai vu que mes petites infos que je glisse ça et là, eh bien, elles rendent service à beaucoup de monde, notamment même si on n'est pas à la recherche qu'on ne fait pas de la compétition de tricot, mais si on veut savoir un petit peu ce qu'on a fait sur un an ou même sur plus, eh bien, dans Ravelry, on a la possibilité de le savoir. Et donc, dans mon dernier podcast, dans le précédent, je vous avais expliqué comment retrouver ces informations dans la mesure où vous remplissez assez régulièrement vos projets sur Ravelry, avec le grammage des pelotes et tout ça. Donc effectivement, ça a rendu service à certaines d'entre vous et j'en suis bien heureuse. Il y a notamment Lucie de 3615 Kumquat. Et voilà, bon bah écoutez, je suis bien heureuse de cela. Alors, bien heureuse à d'autres titres d'ailleurs, j'ai reçu des jolies cartes de certaines d'entre vous. Et je vais vous en montrer deux que j'ai là parce que je viens de les recevoir. Mais vous allez voir que c'est magnifique. Alors il y a Anne qui habite en Belgique qui m'a envoyé cette jolie carte. Regardez comme c'est inspirant. Alors moi aussi je t'embrasse Anne. Vraiment merci. Et puis, alors tout vraiment spécial. Dans une jolie enveloppe, une jolie carte, une magnifique carte également, qui a été faite par Caroline, que vous connaissez sans doute, Chouloulouute, qui a un podcast, et elle peint, elle fait de l'aquarelle, et elle m'a envoyé ma Gabi, mais regardez, c'est plus vrai que nature. Je suis éblouie. C'est pareil, j'ai pas de mots, c'est splendide. J'avais mis une photo sur Instagram de Gabi et Caroline m'a fait cette carte. Je suis émerveillée de son travail. Voilà. Merci Caroline, c'est très touchant, je suis sans voix. Donc oui, recevoir un petit mot comme ça, des vœux chaleureux, des vœux amicaux, comme les commentaires que vous laissez sous les vidéos, qui me touchent autant, vos mots sont tellement gentils. Alors, on va s'alléger un peu de toute cette émotion, mais là j'étais sous le coup de... Je viens d'aller chercher ces courriers à la boîte et voilà, j'étais sous le coup de l'émotion. J'ai dit je leur partage parce que c'est magnifique. Donc, un projet terminé, eh bien, que vous voyez sur moi, qui est le gilet cachou. Alors, je vais reculer un peu, je vais baisser la caméra. Vous voyez? Le gilet cachou de Nadia Crétin-Léchaine. Je l'ai terminé avant-hier ou avant-avant-hier. Je l'ai bloqué, lavé.
Enfin, quand je vous dis, moi, pas de blocage vraiment chez moi, mon ouvrage, il était à sa bonne dimension, je l'ai laissé sécher à plat après l'avoir essoré dans des serviettes. Alors, pour revenir sur ces points, ce sont des torsades. Vous avez une succession de petites torsades sur deux mailles qui sont en alternance, vous voyez, d'un rang sur l'autre. Donc vous avez, quand vous avez terminé dans une rangée, ben vous attaquez les torsades de l'autre rangée. Et donc, on ne s'ennuie pas. Par contre, on n'est pas en overdose parce qu'il n'y en a que sur le devant. Alors, le col, la bordure se font après coup. Les manches, on relève des mailles parce que c'est un, vous voyez comme il est fait, c'est un drop shoulder, ils appellent ça, épaule tombante. C'est-à-dire que vous allez tout droit ici, vous arrêtez, vous tricotez en aller-retour et donc ici c'est tout droit, en bas c'est tout droit et ici vous reprenez des mailles. Mais Nadia Crétin-Léchaine, quand on fait ces allers-retours, elle vous dit toujours de glisser la première maille quand vous commencez. Donc vous la tricotez, quand vous partez de là, que vous arrivez au bout, vous tricotez la maille, mais quand vous redémarrez à l'envers, vous glissez la première maille. De la même façon, vous faites ça ici. C'est-à-dire que chaque première maille de chaque côté est glissée. L'avantage de cette chose, c'est que quand vous avez à relever les mailles, eh bien, vous avez des boucles très faciles à prendre. Voilà. Alors, il y a des... C'est un peu plus haut, là, sur le col, que les épaules. On commence derrière et on... Je crois qu'on reprend des mailles ici. Ou on crée des mailles, voilà. On crée des mailles et puis on tricote devant, derrière. J'ai toujours mon œil pleureur, hein. Il fait un peu frais, j'étais au chaud. Voilà. Mais alors, ce gilet, je l'avais commencé toute fin novembre. Je l'avais laissé tomber parce qu'avec les Vlogmas, je ne pouvais pas tricoter tout ça. Donc, j'étais arrivée par ici. Et donc, j'ai fait tout le reste depuis le 1er janvier. Vraiment, ça se tricote. Moi, j'ai tricoté en 3,75 pour avoir l'échantillon. Normalement, je crois que c'est du 4, mais moi, ça ne me plaisait pas. Mon tricot était trop lâche avec ma laine. Donc, j'ai fait en 3,75. J'ai pris la taille 4, L, qui correspond à 112 cm normalement de tour de buste, parce que moi, avec un pull, je fais 102. Donc, oui, parce que je dois faire un 98, 99, 100, enfin 100 vêtements, mais avec un pull, je fais 102 de tour de buste. Alors, c'était préconisé entre 5 et 10 cm d'aisance. Mais comme j'ai pris une aiguille en dessous, je me suis dit ça ne fera pas 10 cm d'aisance. Et moi, ça me convient bien. Parce que je ne voyais, vous voyez, je ne le voulais pas. Je vous remontre. Je ne le voulais pas trop large. Donc, il ne me colle pas au corps, vous voyez. Mais il n'est pas large. Ce n'est pas ce qu'on appelle. Alors par contre, je l'ai fait plus long. Vous voyez? Je l'ai fait plus long. Normalement, il devrait s'arrêter là. Mais moi, les petits gilets courts, quand je mets un gilet, j'aime avoir plutôt une veste. Donc j'ai opté pour cette longueur. Et en faisant cette longueur-là, j'ai utilisé 3 pelotes de 100 grammes de West Yorkshire Spinner
signature 4 plailles. Eh bien, il m'en reste, je vais la chercher. Alors, voilà la laine. Donc, c'est le coloris Hydrangea, 400 mètres pour 100 grammes. C'est une laine qui est un petit peu poilue. Vous voyez l'auréole, c'est un peu poilu. C'est très doux, très très doux. Là-dedans, vous avez 75% de laine, dont 35% de BFL et 25% nylon. Alors, voilà, j'aime beaucoup le toucher de cette laine, la douceur, le moelleux. Une fois lavée, vous voyez qu'elle est, elle est bien gonflante. Et tout cet auréole de poils, c'est parce que j'ai mis avec, et voilà tout ce qui me reste, il me reste 1 gramme. J'ai utilisé 149 grammes sur les 150 que j'avais de mohair suave de, alors le mohair suave, je vous dis, de Valeria di Roma. Donc ce sont des pelotes de 25 grammes que j'ai acheté chez les ciseaux magiques, ceci, et qui coûtent 3,61 € en ce moment au lieu de 3,80 €. Alors c'est doux. C'est pas aussi doux que les mohairs de teinturière, mais franchement, c'est doux. Et puis alors, laver, franchement, c'est très, très doux. Alors, pour les gens qui ont une allergie aux laines qui piquent un peu, directement sur la peau, ça peut donner, puisque c'est, y a beaucoup de poils, ça peut donner un effet piquant. Moi, personnellement, j'ai aucun souci avec, mais voilà, après c'est chacun, hein. Mais si vous avez envie d'essayer ça, c'est très joli comme couleur. Alors ça donne un reflet plus vibrant à mon gilet. Voilà, je pense que vous avez la bonne couleur là, dans le soleil, dans la lumière. Voilà, hein, vous voyez ça comme ça et ça qui est un peu plus éteint. Donc, ça fait un petit mélange plus... Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Alors, ça, j'en avais acheté 6 pelotes. Il m'en reste 2. Enfin, de celle-là, j'ai utilisé 4 grammes. Donc, il me reste 3 pelotes, hein, 1200 mètres. Donc, je pourrais me refaire un pull. Ça, il me reste 1 gramme, donc on oublie. Voilà l'échantillon que j'avais fait. Alors, vous voyez... De quel côté j'ai commencé? J'ai commencé là, voilà. J'ai commencé là avec l'échantillon préconisé. Alors, ce n'est pas des gros échantillons, mais voilà. Ça donnait ça. Et moi, je trouvais que c'était trop lâche. Donc, j'ai préféré faire ça. Alors, ça ne se joue à rien. Hein. En 3,75. Le tissu me plaisait plus. Voilà. Et puis voilà. Alors ça se joue à pas grand chose, mais voilà, je suis satisfaite de mon cachou, j'adore. Alors pour le moment, je ne lui ai pas mis de boutons, j'ai pas fait de boutonnière non plus. Si je lui mets des boutons, je ferai des boutonnières après coup. Ça ne me posera pas de problème d'écarter pour mettre un bouton, mais voilà. Ou je coudrai des boutons même sans l'attacher, parce que moi, j'attache jamais mes gilets, je les porte comme ça. Mais alors, j'en suis ravie. Bon, bah, je ne vais pas passer Noël ni l'année sur mon cachou, mais écoutez, c'est un patron très clair. Je vous le recommande. Nadia Crétin-Léchaine, il y a Lauriane, l'eau demoiselle, qui tricote beaucoup de modèles de Nadia Crétin-Léchaine. Et c'était en la voyant tricoter ben, le cachou que je m'étais dit, il est magnifique, et je l'avais mis dans ma wishlist. Et c'est Anne qui me l'a offert en fin d'année. Et donc, je te remercie, Anne, parce que
Parce que voilà, c'est un beau patron. Je le recommande à toutes celles, et même aux débutantes. Même aux débutantes, il n'y a rien de compliqué. Tout est affaire de patience, me direz-vous. Parce que moi, j'ai toujours une appréhension quand il s'agit de relever des mailles aux emmanchures, aux cols, aux bordures. J'ai toujours peur de ne pas relever le bon nombre. D'autant plus quand vous allongez le pull et qu'on vous donne un certain nombre de mailles pour une certaine distance, quand vous faites plus, ben, il faut améliorer. Mais la façon qu'elle a de nous faire glisser la première maille, ça aide grandement à relever les mailles. Et moi, en plus de ça, quand j'ai une distance comme ça, je regarde ce qu'elle dit dans le patron. Elle dit tant de mailles à relever pour telle distance de pull. Je divise et je dis, bon, ben, pour 10 cm, combien il m'en faut? Et je mets un petit anneau marqueur, un petit, vous savez, les petits marqueurs ampoule. Je mets un marqueur ampoule tous les 10 cm. Et je me dis, de telle distance à telle distance, il me faut tant de mailles. Ce qui fait que ça vous évite de partir à l'aventure, d'arriver au bout, puis d'avoir un truc qui gondole ou qui tire. Vous avez le nombre de mailles qui est recommandé par la designeuse ou le designer. Et ça vous permet de, ben voilà, d'être juste, quoi. Et je n'ai pas eu de problème, vous voyez, mon gilet ne fait pas... ça ne fait pas de grimace, c'est impeccable. Alors, j'ai fait les manches plus longues que ce qu'elle demandait. J'ai fait les poignets plus serrés, c'est-à-dire qu'ici, j'ai fait beaucoup plus de diminution que préconisé. Alors, pour faire ça, bah, c'est encore pareil. Pour mes diminutions, j'utilise l'application Contran. Et sur l'application Contran, on a un petit bouton qui s'appelle « Outils ». Et on clique là-dessus et on a tout un tas de choses qui peuvent servir. Et donc, dans les outils, le calcul du nombre de diminutions. Alors, vous dites, par exemple, j'ai 60 mailles, je veux en obtenir 40 au bout de mon rang. Il vous fait le calcul de combien, entre chaque maille, vous devez avoir pour... Vous faites tant de mailles, vous en tricotez deux ensemble, tant de mailles, deux ensemble, mais il vous dit combien de mailles vous devez tricoter pour avoir. Alors, c'est vrai qu'on peut le faire soi-même. On peut calculer soi-même le nombre de diminutions avec des règles de 3, mais si on ne veut pas s'embêter, on n'a qu'à appuyer sur un bouton. Moi, je trouve ça pratique. Voilà. Alors, donc, cachou. Hein, on parle d'autre chose. Alors, quand j'ai fini mon cachou, donc récemment, voilà, j'ai trouvé ce que je voulais. Quand j'ai eu fini le cachou, j'aime bien faire un petit truc entre deux ouvrages. J'aime bien faire une petite chose qui prend peu de temps, mais qui vous vide la tête des calculs de votre patron et qui vous permet de passer à l'ouvrage suivant. Voilà, il me faut un petit temps. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il me faut un petit temps. J'aime pas enchaîner. C'est d'ailleurs pour ça que je n'aime pas être multi en cours, parce que j'aime bien me concentrer sur un ouvrage. D'abord, parce que je vous l'avais dit, moi, quand je suis sur un ouvrage, eh ben, j'ai la sensation qu'il avance. Ça me fait plaisir. Voilà, je préfère être mono en cours. Et puis, vous savez, moi, en plus, je me suis rendu compte que quand je tricote pas régulièrement sur un ouvrage, eh bien, j'oublie la technique, j'oublie le point, je suis obligée de relire, de me remettre dedans. Et je me suis rendu compte que mon point, il était moins régulier à la reprise. Et ça, j'ai horreur de ça. Tandis que quand vous êtes dedans, eh bien, ça coule de source. Vous ne calculez plus, c'est automatique. Voilà. Donc, pour me vider la tête de cachou, je me suis fait ceci.
Alors, ça s'appelle tawashi. Voilà, c'est un peu un genre de pliage, vous voyez. Et tawashi, ce sont des petites éponges. Parce que moi, avec ce fil-là, j'avais déjà tricoté des éponges au crochet rondes que je vous avais déjà montrées. Et puis, c'est Emma de Tricolibri qui en avait montré au tricot. Mais ce qu'elle avait montré, je n'avais pas bien compris, j'étais mal partie. Bon, j'ai dit ça ne va pas, je passe à autre chose. Et en cherchant éponge au tricot sur YouTube, tuto, je suis tombée sur les vidéos de Alice Gerfaux. Alors Alice, je vous en ai déjà parlé, elle a notamment fait un tuto complet sur le comment tricoter le 13 KO. Pour les débutantes, c'est bien parce qu'elle vous accompagne étape par étape. Elle a fait 6 ou 8 vidéos du montage des mailles jusqu'à la fin du tricot pour le 13 KO. Et de temps en temps, elle fait des petits tutos pour des ouvrages, pour des points. Et là, elle a fait un tuto pour ceci. Alors elle l'a fait en coton, mais moi j'avais cette laine que j'avais achetée, donc je ne vais pas l'acheter, je m'en sers. Et elle, son tawashi, alors c'est simple, hein, je vais vous expliquer, c'est simple. Vous montez 74 mailles et vous tricotez 16 rangs. Alors moi je les ai fait complètement à l'endroit. Elle alterne 8 mailles de point mousse, 16 mailles de point jersey, 16 mailles de point jersey, 16 mailles de point jersey et non. 8 mailles de point mousse, 16 mailles de point jersey, 16 mailles de point mousse, 16 mailles de point jersey, 8 mailles de point mousse. Moi, avec ce fil-là, j'ai fait tout en point mousse. Parce que on ne voit pas la subtilité du point. Et puis même si on le voyait, de toute façon, vous voyez comme c'est. Donc j'ai fait 16 rangs de points mousse, j'ai rabattu. Et après, elle vous montre le pliage. Parce que c'est un pliage. Et au bout du compte, à un endroit, vous cousez les deux bouts. Vous n'avez que cette petite couture à faire et votre éponge est faite. Et au milieu, vous pouvez piquer un peu pour que tout le monde se tienne ensemble, que ça ne s'écarte pas. Et voilà ce que ça donne. Alors écoutez, j'en referai. Avec cette laine-là, alors j'ai utilisé 33 grammes. Donc une pelote fait 50 grammes. Donc voilà. Mais franchement, tawashi, pas mal. Hein. Alors les éponges, moi je trouve ça super pratique pour les faire la vaisselle. Écoutez, ça, vous savez, quand on mange des œufs, quand on mange du gruyère qui fond, des choses comme ça, qui accrochent un peu dans l'assiette. Alors nous, je vais vous raconter, allez, je vous raconte encore ma vie. Mon mari, mon homme, il est... moi, je suis une fille d'ouvrier, mais mon mari, c'est un gosse de bourgeois. Bon, on en plaisante, hein. Mais mon mari, il est de ce genre de gamin qui a été élevé avec une cuillère en argent dans la bouche. Hein. Donc... Et effectivement, parce que chez mes beaux-parents, c'était des gens d'une classe sociale un peu plus aisée que chez moi. Et donc, argenterie, porcelaine, cuillère en argent, et tout le toutime. Donc, ce gamin, il va manger dans de la porcelaine. Alors, qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, on trouve des services entiers de porcelaine de Limoges pour trois fois rien. Parce que, excusez-moi, les jeunes préfèrent les choses colorées, les choses ceci, les choses cela, la porcelaine, ça passe pas au lave-vaisselle parce qu'il y a de la dorure, enfin bon, bref. Alors, du coup,
j'ai acheté de la porcelaine de Limoges avec de la dorure. Eh bien, écoutez, pour faire ma vaisselle, je prends ça, ça n'abîme pas les dorures et ça va très bien. Voilà. Donc ça, c'était tranche de vie en direct. Alors, je ris et je pleure, vous voyez. Bon, alors donc les tawashi, eh ben écoutez, si vous avez envie, ça, ça coûte trois fois rien. Je l'ai eu chez, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous tapez sur Google Creative Bubble Rico Design. Vous voyez, Creative Bubble Rico Design. Et vous allez trouver ça facilement. Moi, j'ai pris ça dans une boutique de loisirs créatifs sur Internet. Je ne sais plus. Je vous le marquerai. Voilà. Et donc, bon, ben, voilà. J'ai fait ça avant-hier soir. Ça m'a vidé la tête de mon cachou. Et c'était très bien. Et j'en referai. Puisqu'il me reste de la laine, donc j'en referai. Alors, entre-temps, au 1er janvier, il y a Anna Noudel qui a lancé le cal Jacques Soc 23 sur Instagram. Donc, qu'est-ce que c'est le cal Jacques Soc? C'est tricoter ensemble des chaussettes en jacquard. Sur l'année 2023, on en fait le nombre qu'on veut, on les fait à la vitesse qu'on veut, on commence quand on veut. Enfin, le truc sympa. Donc, il y a un groupe, et si ça vous intéresse de vous lancer dans l'année à faire une paire de chaussettes en jacquard, que vous soyez experte ou pas, mais si vous avez envie d'échanger avec des copines, eh bien écoutez, c'est fabuleux, parce qu'il y a une ambiance très agréable. On y parle de tout, de rien, de la météo, de nos animaux, du verglas. Enfin, on y parle de tout, du nombre de mailles, de nos recettes, de comment on s'en est sorti, ça sert pas, c'est trop petit, c'est trop grand, ce talon-ci, ce talon-là. Bref, on échange nos modèles, enfin, on se donne nos tuyaux pour les modèles gratuits, enfin, voilà. C'est sympa. Si vous avez envie, je vous mettrai ici et en barre de description le lien vers l'Instagram de Anna Noudel. Vous la contactez, vous lui demandez si vous pouvez intégrer le groupe. Elle sera ravie de vous accueillir. Et donc, le 1er janvier, j'ai castonné, comme on dit. J'ai monté des mailles pour faire une paire de chaussettes. Alors, je vous avais montré que je voulais faire des chaussettes issues de ce livre-là, de Charlotte Stone, que je m'étais acheté en prévision, n'est-ce pas? Et donc, je voulais faire ce modèle. Eh bien, c'est fait! Voilà mes petites chaussettes! Ne sont-elles pas ravissantes avec les petites cocottes? Alors, Thibaut nous dira que c'est des canards, hein. Mais bon, on ne s'inquiète pas, Thibaut c'est un gosse de la ville. Bon, il m'a expliqué qu'il avait vécu aussi un peu à la campagne près de chez... Mais il a mal dû regarder. Voilà, voilà mes cocottes. Alors, dans le modèle, que je vous explique tout. Ici en rouge, vous avez la crête de la poule. Ça, c'est fait en jacquard. Par contre, vous savez, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce qu'elles ont sous le cou là. Ça, théoriquement, c'est pas en jacquard, c'est fait en... C'est cousu après coup, c'est rebrodé. Moi, je l'ai fait en jacquard. De même que le bout du bec en orange, là, théoriquement, le bout du bec ici, c'est recousu après. Moi, je l'ai fait en jacquard. Et j'ai fait cirquer mes laines derrière. Vous voyez? Et ça a été tout bien. Alors évidemment, là, ça vous fait trois fils. Quand vous avez ces petits trucs-là, ben, ça vous fait trois couleurs. Le blanc, le rouge, le bleu. Mais bon, moi, je mettais les fils dans la main gauche, les fils contrastants dans la main gauche,
Quand j'avais trois fils, eh bien, j'utilisais celui qui allait bien, mais comme il n'y avait qu'une maille, ce n'est pas gênant. Voilà. Et je trouve ça très sympa. Et au bout, vous avez l'œuf. Voilà. Alors là, c'est pareil, c'est du jacquard. Hein, tout simple pour faire ça. Et puis après, ben voilà, ici on arrête et on change de couleur et on finit. Voilà. Alors, les laines utilisées, Arweta classique, bleu. Alors, j'ai noté. L'orange, c'est aussi de l'Arweta classique. Le blanc, c'est de la laine opale. Le rouge, c'est de la chrépiosse. Chrépiosse rouge. Métropolis, je crois que c'est. C'est des restes que j'avais. Alors, je lis. Je lis. Oui, voilà. Alors, il m'a fallu l'orange là. Le ski, voilà, c'est des œufs, c'est des poules élevées au maïs, hein, ça fait des jaunes bien oranges. Mais enfin, c'est réaliste, hein. C'est calendula, la couleur. Ça, c'est le bleu 144, je crois. Oui. Il m'a fallu 37 grammes de bleu pour faire mes deux chaussettes. Il m'a fallu 14 grammes de jaune, 10 grammes de rouge. Et du blanc, il m'en a fallu 12 grammes. J'ai été impressionnée d'avoir 10 grammes de rouge, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de rouge. Mais comme on passe derrière, eh bien, finalement, c'est comme si on avait fait 4 ans, hein. Alors, tout s'explique, quoi. Voilà. Et elles vont très bien. C'est un talon renforcé. Mais elle ne tricote pas. Dans le modèle, là, c'est pas tricoté comme moi, je fais d'habitude. Mais bon, c'est très subtil, mais c'est bien. Ça fait un joli. Vous le voyez, le motif? Voilà. Donc, des petites soquettes. Je suis ravie de mes soquettes. Elles ont un succès fou sur Instagram. Hein, c'est mignon comme tout. Donc j'ai fait ma paire de chaussettes en jacquard et avec ma paire de chaussettes en jacquard et avec mon cachou, je participe à un autre cal qui est donc fait par lancé par Thibaut Tricostérone. C'est le cal Loto Tricot 2023. Donc c'est un jeu, en fait, on met une liste de 15 patrons, plus 5 jokers, 5 cases jokers, donc de 1 à 20, et on case là-dedans des ouvrages qu'on va faire sur 2023. On n'est pas obligé de tricoter le 1, le 2, le 3, on peut faire comme moi, il y en a un, je crois que ça c'est le 19, ça c'est le numéro 7. Et donc, je valide pour ce mois-ci les cases 7 et 19. Et donc, je participerai au loto avec ces deux numéros-là, si on peut dire. Voilà comment ça se passe. Alors, c'est pareil. Alors là, les inscriptions au loto sont terminées en principe au 15. Mais bon, je ne sais pas si Thibaut fait des exceptions. Toujours est-il qu'il y a une très bonne ambiance sur ces groupes. Et c'est vraiment sympa. Donc, mes chaussettes participent à deux cales, le cale d'Anna Noudel et le cale de le loto tricot. Il y a les poules d'eau qui caquettent. Ah oui, là-bas. Alors, dans le loto tricot, il y a des lots. Dans le cale d'Anna Noudel, il n'y en a pas. Comme maintenant, je vais vous parler aussi. De cales que j'ai mis en place, qui sont des groupes sur Instagram pour le châle pluie d'étoiles. Alors, je vous montre le mien que j'avais tricoté l'an dernier, que j'avais fini l'an dernier au mois de janvier.
Donc ce châle, si vous avez envie de le tricoter dans l'année, vous pouvez me demander à être inscrite dans le groupe de discussion. C'est super sympa. Voilà. En plus de ça, on a la chance. Il y a Cindy, la tricopathe alsacienne, qui a créé ce modèle, qui est inscrite également dans le groupe pour... elle donne des petits tuyaux à celles qui ont des doutes ou qui ont, voilà, qui craignent de pas bien faire. Donc c'est vraiment sympa parce que vous avez de l'assistance en direct pratiquement. J'ai créé un châle. Alors je vais remettre ce châle là qui est un lala châle que j'avais tricoté il y a un certain nombre d'années. Et c'est pour ma fraîcheur dans le cou. Parce qu'il fait bon, mais il fait un petit peu frais. Donc, pour ne pas choper la crève, hein, comme on dit. Je vous aime bien, mais quand même. Donc, oui, j'ai donc lancé aussi un châle pour le Vertices Unite. Alors, le Vertices Unite, c'est le châle de Stephen West. Et Stephen West met des vidéos, met tout un tas de choses. Le Vertices Unite, je le tricote avec les échevaux que j'avais achetés chez Au Fil d'Horus, que je vous avais déjà montré. Il y a ces trois-là. Et ces deux-ci que j'ai bobinés. Et j'ai commencé! Non, je ne me moque pas. J'ai commencé. Voilà, je mets tout par terre. Il y a plein de feuilles. Il y a même des graines de tournesol. Enfin, les épluchures des graines de tournesol. Voilà. Donc, je vais faire mon Vertices Unite de Stephen West. Alors ça, c'est du tricot zéro cerveau, c'est du point mousse. Il y a seulement du relevage de mailles à chaque section, mais bon, je pense que maintenant, je devrais maîtriser. Et puis bon, il montre bien comment on fait, lui. Donc voilà, je ne me fais pas de soucis pour ça. Donc là aussi, si vous avez envie dans l'année de le tricoter, il n'y a pas de date ni de début, ni de fin. Enfin, fin, c'est 31 décembre. Je laisse courir le groupe jusqu'au 31 décembre. On se montre nos photos de nos avancées, nos choix de laine. On discute. Le groupe est vraiment sympa. Si vous avez envie de venir pour tricoter le Vertices Unite à un moment donné, venez. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc ça, c'est un encours, parce que je suis passée de ce que j'avais fini à mes encours comme ça, ce qui n'est pas bien, parce que j'ai encore un objet fini. Alors, le dernier ouvrage terminé, ce sont les chaussettes de Lysandre Ourdin, qui était son châle chaussette mystère, qu'elle avait lancé pendant le mois de novembre. Et franchement, écoutez, super sympa. Regardez. Moi, je les ai faites en rose poudré comme ça. Qu'est-ce que j'ai pris comme laine? Vous voyez, j'ai le cerveau qui se vide. Je l'ai noté. Je vous dis ça. Je vous dis ça tout de suite. Chaussette mystère de Lysandre Ourdin, voilà, commencé le 18 novembre, terminé le 5 janvier. Bon, il me restait pas grand chose à faire. J'ai mis 65 grammes de lana grossa Mellenby Zeta. Ah oui, ma laine Zeta, vous savez que j'aime mes grosses pelotes rondes là. Il y a de la soie et du nylon là-dedans. Donc c'est rose et je les ai tricotées en 2,25. Eh bien, écoutez, je n'aime pas les cales mystères de trop, mais ce petit modèle,
En plus, maintenant, il est gratuit, accessible sur Ravelry, hein. Et très agréable, parce que vous faites... Oups là. Ah ben, décidément. Vous faites une petite section par jour, si vous en avez envie, bien sûr. Mais si vous avez, comme moi, que vous chiotez... Mais voyez, il y a une succession de petits points comme ça, qui se font sur 8 mailles. Donc, c'est pas prenant, ça vous prend pas le chou. Et moi, ce que je trouve, c'est qu'en plus, ce genre de petits points, on peut les utiliser sur d'autres modèles. Par exemple, ce petit point-là, vous faites juste une petite collerette comme ça. Eh bien, écoutez, je trouve ça vraiment sympa. Même en jacquard, d'ailleurs, vous voyez ? Vraiment des petites chaussettes sympas. Lissandre, elle a été super sympa de nous faire tricoter ce petit modèle. Moi, j'ai bien aimé et j'aime bien le rendu. Alors, je ne les porte pas. Elles sont dans ma boîte de bas, comme celle-ci. Bon, elle est dans ma boîte de bas 2023. Voilà. Je les ressortirai à Noël. Ça sera mes cadeaux. Je me fais mes cadeaux. Bon, alors, en cours, alors à part le Vertice Unite qui était une plaisanterie, hein, je vais le faire au fil du temps, à petits bouts, à petites fois, j'ai repris des chaussettes que j'avais laissées en attente. La première est faite, c'est les chaussettes Capofti. Alors, que je fais avec la soque blanche de Christelle Tricote. Voyez, il y a un petit motif. Dans le point. Et la soque blanche, eh bien, c'était les grosses fleurs bleues que j'avais demandé à Christelle. Et elle m'avait fait ça super bien, comme une pro. Et donc, comme de chaque côté, elle avait laissé une bande blanche, et bien, ça me fait le démarrage de la chaussette en blanc. Et après, le motif, voilà. Alors, j'ai commencé la deuxième. J'ai pris le tricot, la pelote par l'autre bout pour avoir du blanc pareil. Et puis, voilà, j'en suis au talon. Donc, voilà. Donc, c'est les Capofti. C'est un modèle gratuit. Voilà, la pelote. Parce que moi, j'avais détricoté la soque blanche et je l'avais mis en écheveau et je l'avais trempé pour qu'elle se détende un peu pour avoir moins de frisottis, et ça marche, hein. Parce que j'aime pas l'aspect frisottis. Je trouve que ça se voit dans la chaussette après. Enfin, ça, c'est mon avis, hein. Donc, moi, j'ai fait comme ça. Avec mon petit sac, vous savez, que j'avais acheté chez Super U. Les petits sacs rigolos, là. Voilà. Et puis, un autre en cours que j'ai repris. Alors, du coup, là, après avoir fait mon tawashi, eh bien, je me suis remise sur le No Frills. Alors là, ça avance à la vitesse grand V parce que c'est que du jersey. Voilà. Et j'utilise la couleur Gabi en fingering. Et en haut, j'ai associé avec du mohair blanc que j'avais. Est-ce que j'en ai une pelote là? Ben même pas. Non, j'en ai plus là. Mais bon, c'est pas grave, c'est un mohair blanc cassé, crème. Et puis, les bandes. Ici, c'est du rouille, un cône que j'avais. Et là, avec
le mohair gros, gabi, ça fait un effet, vous voyez, ça fait des motifs. Mais c'est pas mal, hein? Vous voyez, voilà, ça fait ça. Est-ce que je vais arriver? Voilà. Alors, comme ça se répète régulièrement, ben, c'est pas moche. Ça fait une zébrure. Voilà. Et là, je suis repartie pour faire ben, la deuxième bande comme ça. Et puis après, je reprendrai un peu de blanc. Puis je ferai mes côtes en gabi plus mohair rouille. Et puis après, ben, je ferai mes manches. Voilà. Donc ça, c'est le No Frills de Petite Knit. Un pull zéro cerveau qui sera bien chaud. Voilà. Donc, mais le No Frills, je pense que j'en referai d'autres dans d'autres couleurs. Parce que moi, ça me va bien, le tricot comme ça, le jersey. Encore que bon, quand il y a un petit motif, c'est sympa aussi. Hein. Voilà. Et puis, maintenant, je vais vous parler de... bah, décidément, j'ai un chat dans la gorge. Je vais vous parler de projets à venir. Parce que dans le cadre du CAL, l'auto-tricot 2023, j'ai inscrit des ouvrages que je vais faire prochainement. Alors, le verre Kitches, il y est aussi dans mon cale tricot, dans l'auto tricot, mais bon, je ne me laisse pas. Ça sera un truc au long cours. Je vais le faire tout au long de l'année. J'apprécie de ce groupe là où on discute, donc je vais faire durer le plaisir. Et entre temps, et puis le No Frills, ben c'est vraiment le tricoter le soir comme ça, c'est vraiment sympa parce qu'il n'y a rien à réfléchir. Donc je peux, vous voyez, malgré ce que je vous disais tout à l'heure, je peux avoir à côté un ouvrage où on réfléchit un peu plus. Parce que là, autant le Vertices Unite que le No Frills, il n'y a rien à réfléchir. C'est du le Vertices, c'est du point mousse. Le No Frills, c'est du jersey. Donc, voilà. Alors, dans mes projets à venir, il y a le gilet Saïga. Alors, je vous mettrai une photo. Parce que le modèle Saïga, il y a à la fois dans le patron le pull, et le gilet. Et moi, je vais faire le gilet parce que j'avais vu celui de Nathalie de By Night Création. Vous savez, la femme là qui teint de la laine naturellement belge et qui nous fait des podcasts. Voilà. Et donc, Nathalie, elle a fait le Saïga, elle l'a fait deux fois. Et j'aime bien, elle l'a fait en gilet un peu, parce que au départ le Saïga c'est près du corps, mais elle l'a fait plus souple, plus, et moi ça me plaît bien. Et je vais utiliser cette laine là que j'ai achetée chez Célène. Si je vous montre, voilà, Célène. Vous voyez, alors c'est 85% mérino superwash et 15% nylon. Le nylon, c'est les nappes, les petites boules là de colorées. Ça, c'est le nylon. Toutes ces petites nappes là, c'est du nylon. Et donc, il y a 100 grammes pour 400 mètres et c'est le coloris rose anglais. Voilà. J'avais commandé avec un petit mini qui est tombé, mais qui n'est pas fait pour ça, mais parce que la couleur m'avait plu. Voilà, chez Célène, j'avais commandé ça. J'en ai 4 échevaux. Et donc, je commencerai le Saïga
Alors c'est pareil, je le commencerai pour pouvoir l'avoir, je sais pas, au mois de avril. Avril-mai. Vous voyez, parce que je trouve que ce coloris-là, et puis juste en figurine bien retordu comme ça, ça sera sympa. Voilà, donc je ferai ça. Et puis, autre chose que je ferai, c'est la cagoule bombec. Alors, je pense la faire avec de la laine de cette couleur-là ou quelque chose dans les tons verts pour pouvoir la mettre avec ça. J'aime bien l'idée de faire des ensembles de choses qui marchent ensemble. Et puis ce que je ferai, mais là qui n'est pas dans mon loto, c'est là un genre de Sophie Scarf. Vous savez, cette petite étole Sophie de petite nit. Mais moi, je ne prendrai pas le modèle de petite nit parce que franchement, c'est du point mousse avec de l'i-cord autour. Je suis capable de le faire sans le patron. Et puis, il y en a même qui sont sur Ravelry en gratuit, qui y ressemblent. Je peux toujours m'inspirer. Voilà. Donc, tout ça pour avoir quelque chose qui soit dans le ton. Vous voyez ? La petite cagoule et la petite étole, là, le petit cache-cou. Là, alors, la cagoule bombec, je l'ai mise dans mon loto. Donc, je la mettrai, je la commencerai, je ne sais pas quand, mais pareil. Alors, c'est pareil, la cagoule bombec, c'est simple, hein, mais on m'a offert le patron, donc, c'est Patricia qui m'a offert le patron, donc voilà. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le gilet Saïga, c'était Sébastien qui m'avait offert le patron l'année dernière, parce que j'avais dit que je voulais faire ce gilet, et il m'avait gentiment offert le patron. Donc je vous remercie, vous êtes des bons chéris, et je suis ravie de tricoter en pensant à vous, comme j'ai pensé à Anne en tricotant le cachou. C'est un petit lien d'amitié qui vient en plus, c'est une petite dose sympa. Voilà, donc vous voyez, et puis ce que je ferai aussi entre tout ça, c'est une paire de Lily Sock, parce que je les ai mis dans mon loto et j'ai ouvert également un groupe sur Instagram pour les Lily Sock, qui est mon patron fétiche des chaussettes, avec celui avec lequel j'ai appris vraiment à faire des chaussettes. C'est un modèle, un patron de la tricopathe alsacienne, et puis il est très bien parce que dans le patron, vous avez, en fait, c'est comme si vous aviez quatre patrons parce que elle vous explique quatre talons différents. Donc, c'est bien, quoi. Vous avez tous les modèles en un seul et pour pas très cher. Donc, voilà. Si vous avez envie de tricoter les Lissoc de la même façon que pour le reste et que vous voulez qu'on en discute, eh bien, vous me contactez sur Instagram, je vous ajoute au groupe. Et il n'y a pas de date, hein. Avec moi, c'est sans date. Vous avez l'année. Donc, il y a moyen. Eh bien, écoutez, on a fait le tour de tout ce que je voulais vous raconter. J'ai l'impression que j'ai été bavarde. Tellement bavarde que j'ai la voix qui s'éraille. Alors, je vais aller tourner un petit ajout avec quelques patrons de Ravelry, parce que bien sûr, j'ai tout ce qu'il faut dans la bibliothèque, mais je suis insatiable. Je cherche toujours autre chose, je cherche des idées, je cherche... voilà, et puis j'adore me promener dans Ravelry. Alors, donc je vais vous ajouter ça. Et puis je vous dis, bien écoutez, à bientôt avec mes avancées tricot. Et puis voilà, pour le plaisir. Alors, mon bout de nez n'est pas trop rouge, mais il fait frisquer. Et puis, on a eu la mauvaise surprise de voir arriver un ragondin qui s'est installé.
Alors en soi, un ragondin, c'est pas bien grave. Le problème des ragondins, ils ne sont pas agressifs, hein. C'est un gros rat, gros comme ça ressemble à un rat, mais voilà. Ces bestioles-là, elles avaient été élevées pour leur fourrure fut un temps, et quand on a décidé qu'on faisait plus de manteaux en fourrure, et ben les braves bêtes qui étaient dans des élevages ont été lâchées dans la nature, et parce qu'elles ne rapportaient plus rien, bien sûr. Et le souci, c'est que ces animaux-là sont porteurs de l'échinococcose, qui est un sale microbe qui vous bouffe le foie. C'est-à-dire que lui, le rat, il vit très bien. C'est un peu comme les renards, ils vivent aussi très bien avec ça, mais leurs urines sont porteuses de cette cochonnerie-là. Et si vous êtes blessé, si vous avez une éraflure, quelque chose, et que vous touchez quelque chose, une herbe qui a été en contact avec les urines d'un ragondin, vous pouvez choper l'échinococcose. Le souci, c'est qu'il n'y a rien pour la soigner et c'est mortel. Ça vous détruit le foie et vous ne pouvez pas survivre à ça. Ça vous détruit le foie et voilà. Et en Sarthe, il y a eu un monsieur dans un village à une vingtaine de kilomètres d'ici, parce que ça se plaît dans les zones humides, les ragondins. Donc la Sarthe est une zone humide. Et il y en a beaucoup le long des rivières. Enfin, il faut faire très. Il y en a dans toute la France maintenant, hein. Et ça se plaît sur les berges des rivières. Alors, ça bousille les rivières, les berges des rivières, parce que ça fait des galeries. Ça provoque cette maladie-là, ça entraîne cette maladie-là, parce qu'ils sont porteurs et ils la véhiculent. Et donc, c'est mortel. Donc, ne vous approchez jamais de ragondins, n'allez pas dans les zones qui sont fréquentées par des ragondins. Si vous avez un animal domestique, un chien notamment, faites attention qu'il n'aille pas trop. Voilà. Parce que, alors, pour les chiens, alors, c'est ça qui est impressionnant, c'est que pour les chiens, il y a un vaccin, je crois. Mais pour les humains, il n'y en a pas. Allez comprendre. En tout cas, donc moi, le ragondin, là, ça ne me fait pas bien plaisir. Alors moi, j'ai une cage pour les piéger, je vais vous montrer. Voilà, j'ai une cage et je l'ai mise là parce que l'autre jour, il était à cet endroit-là, il se promenait là, il mangeait des herbes. Donc je lui ai mis des carottes. Et s'il venait à rentrer dans la cage, il serait prisonnier et je pourrais aller le lâcher dans les bois là-bas. À une dizaine de kilomètres, il y a des bois avec des étangs et il serait aussi bien là plutôt que d'être ici. Voilà, parce que il a attaqué un trou. Il a commencé de faire un trou, vous voyez, dans la berge là. Je vous montre. Voilà, il se fait une galerie ici. Et il a essayé de rentrer là. Alors, il va chercher à se faire un nid quelque part. Voilà, donc ça ne m'arrange pas bien qui veuille s'installer chez nous. Bon, tant qu'il n'est pas prisonnier dans la cage, il ne se passera rien, mais quand voilà, j'arriverai à le prendre, eh bien, il changera de secteur. Il déménagera. Bon, eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt et bon tricot. Alors, je vous montre aujourd'hui quelques patrons. Pas mal sont gratuits. On va commencer par celui-ci. Le Forestier Adult Sweater de Anne Hansen. Alors, ce que je trouve très joli, c'est
C'est tous ces motifs, voilà, des fausses torsades, des mailles glissées, des points. Ça, c'est un travail de patience, mais il est magnifique. Voilà. Alors, il y a le même modèle pour enfants, mais c'est un autre patron. Il y a donc deux patrons. Alors, vous voyez le dos. Et travailler avec ce point qui est ou un point de riz ou un point de blé, et le devant est travaillé avec tous ces points qu'on voit là, et je trouve ça splendide. Et en plus, le prix du patron est très modique, 4,74 €. Alors, il est en anglais, mais je vous ai déjà dit, n'ayez pas peur de l'anglais, ce n'est pas compliqué du tout. Alors, c'est en laine sport. Voilà. Un beau pull. Forestier adulte sweater. Ensuite, un patron gratuit. Le body pullover. Alors, c'est un jacquard en yoke, ce qu'on appelle avec un empiècement. Et c'est superbe. Alors, ce qui m'a fait arriver sur ce patron, c'est que je l'ai vu passer sur Instagram avec une laine genre les Zauberball qui change de couleur. Et ma foi, c'est très joli. Pour le moment, il y a que... Voilà, ici, on n'a que celui-là, mais... Il y a quelqu'un qui l'a tricoté. Alors vous voyez sur le côté, c'est très ouvert. Et voilà, je trouve que c'est un joli modèle. Voilà, patron gratuit en anglais du XS au XXL. Donc voilà, en grosse laine en plus. Tricoté en aiguille 4-3. Voilà. Alors, ensuite, ici, un bonnet gratuit également. Alors, qui se tricote en laine sport. Voilà, et il y a double épaisseur sur les oreilles. Ici, c'est retourné. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle oreille chaude. C'est la traduction, mais en anglais, vous ne le trouverez pas marqué oreille chaude. Voilà. Alors, ensuite, les slip stitch sole. Alors ici, c'est pas un patron, c'est une recette pour faire des mailles glissées, enfin une semelle renforcée. Voilà. Donc, elle nous donne sa façon de faire pour avoir une semelle renforcée à certains endroits. Donc, ça s'applique à n'importe quel patron que vous avez, mais elle nous donne sa recette. Moi, j'y avais déjà pensé de faire ces mailles glissées comme on fait pour le talon renforcé. Et là, en fait, c'est parce qu'elle détermine des zones. Bon, alors, à voir. Donc, voilà. Ensuite, un châle, le châle Jean-Balthazar. Alors là, c'est 3615 Kumquat, sur le podcast de 3615 Kumquat, Lucie, qui en a parlé de ce châle. Et donc, je suis allée voir le châle Jean-Balthazar de Catherine Harris, qui est un patron gratuit en français. Voilà. Un joli petit châle avec des points de feuilles, je crois qu'elle a expliqué. Du point mousse, et je crois que ça, c'est de la brioche. Voilà, donc de quoi s'exercer. En aiguille 4, en laine sport. Ensuite, une étole. Alors là, ce qui m'a plu, c'est la dentelle. L'écharpe de Lisa Winterdance.
4,92 € en aiguille 7, en laine Lana Crossa Alpaga Moda. Bon, c'est un gros fil, mais vraiment, je trouve ça intéressant. Alors, il y a un côté en jersey et l'autre côté avec ce point de dentelle. Et ma foi, je trouve ça très joli. Voilà comment ça se présente. Et on voit que, voilà, c'est droit et ça part en biais. Le côté en jersey est en pointe. Voilà. Et là, on a la dentelle. Donc, voilà, un joli modèle. Elisabeth Piontek et un modèle à 4,92 €. Ensuite, encore un châle, une étole, Zetlos. Voilà. Et là, c'est l'alternance des coloris qui m'a plu. Je trouve que c'est très masculin-féminin en fonction des coloris qu'on va choisir. Mais je trouve que ça a beaucoup d'allure, vous voyez. Alors, il y a des mailles différentes. Enfin, c'est bien pensé. Ça ne doit pas être compliqué à faire et c'est bien pensé. Alors, ce modèle, il est à 4,80 €. Il se fait en deux fils de dentelle pour obtenir une fingering. Donc, vous pouvez aussi le faire directement en fingering. Moi, je verrais bien ça en alpaca de drops. Il est en anglais ou en allemand. Mais vraiment, je le trouve très intéressant. Il y a sept projets. Si on va regarder les projets, voilà. Voilà. Ensuite, un tout petit châle, le Watu Shawl de Françoise Lannoy. Alors, il est gratuit en anglais. Vous voyez, avec des lignes. Alors, on va le regarder si on arrive à le voir. Voilà. Et est-ce qu'on le voit mieux? Voilà. C'est un petit châle. Je crois que c'est un châle à un écheveau. Moi, j'aime bien ces petits bouts de châle là en fingering. Il y a 14 projets pour le moment. Voilà, vous voyez la forme du petit châle et je pense que c'est adaptable. On peut certainement en faire un peu ce qu'on veut, mais je trouve ça très joli. Voilà, il y a des mailles glissées sur le côté. Enfin, moi, je trouve ça très mignon. Patron gratuit. Le Watu Shawl. Ensuite, le Makariri Shawl, également un patron gratuit. Alors, en fingering, et là, il y a deux écheveaux. Alors, il y a deux ou trois couleurs. Voilà. Avec une dentelle, des alternances de rayures de points mousse. Voilà, est-ce qu'on le voit? Voilà, là on va le voir. Voilà ce châle qui est, ma foi, très joli. Alors, elle dit quoi? Elle dit ce qu'il faut. Fiber Speed Sprout Solide, Fingering 4 plis, 90% Merino. Bon, c'est de la laine à chaussettes. Hein. 438 mètres pour 135 grammes. Colorway Silver and Slate, un écheveau. Et oui, il y a un écheveau de naturel et un écheveau de coloris. Voilà. Donc, un patron gratuit en anglais, mais qui ne doit pas être extraordinairement compliqué. Alors là, c'est un magnifique pull avec un patron à 10,32 €, mais vraiment, ce pull, quand je l'ai vu,
Regardez-moi ça, si c'est beau. C'est une œuvre d'art, ce pull. Avec un grand col cheminé, vraiment, moi je le trouve magnifique. Avec un empiècement derrière, c'est superbe. C'est un très très beau travail. Les manches montées comme ça, d'un bout à l'autre. Vraiment superbe. Vous voyez, en gris. Travail d'artiste. Alors là, elle l'a fait avec un col rond. Voilà. Superbe patron. Il y a 12 projets. Mais c'est magnifique. Voilà. Trinity de Jennifer Beal, je sais pas comment on dit. Voilà. Et c'est un patron qui est sorti cette année, en juillet 2022, en fingering. C'est superbe. De la taille 1 à la taille 9, donc ça doit... Oui, vous voyez, ça va de 80 cm de tour de poitrine à 158 cm de tour de poitrine. Donc c'est vraiment... inclusif, voilà. Voilà le modèle. Trinity, c'est splendide. Je vous le remontre une fois, tellement je le trouve magnifique. Voilà. Ensuite, un petit pull gratuit de le Gisèle de Debbie Mage. Alors, c'est sur le site de Expression Fiber Arts. Il faut être abonné à leur newsletter et vous recevez des liens pour télécharger les patrons gratuits. Mais il y a toujours des jolies choses. Celui-là, c'est le dernier en date. Alors, il faut faire attention parce qu'ils ne sont pas gratuits tout le temps. Mais généralement, le premier mois de leur sortie, ils sont gratuits. Donc, si ce pull vous intéresse... il faut aller sur le site de Expression Fiber Arts. De toute façon, je vais vous mettre le lien du patron dans la description. Mais si vous n'arrivez pas à le télécharger, c'est en fait parce qu'il faut être abonné à la newsletter. Voilà, et c'est superbe. Avec de la dentelle sur le haut et puis ce motif sur les manches. Je le trouve très joli. Puis alors, j'adore ce beau bleu, là. Dans ce bleu nuit, il est beau aussi. Voilà, il y a deux styles différents. Il y en a un plus... voilà, là, les manches sont serrées. Et l'autre, il est plus lâche et les manches sont plus larges. Voilà. Donc, c'est le pull Gisèle, en anglais, de XS à 5XL. Voilà. Des mailles torse du haut vers le bas. Voilà. En colure ronde. Un beau modèle. Ensuite, là, c'est un modèle Drops que j'ai trouvé assez joli. Le 212-13 Clouds Hug. Je trouve qu'il a beaucoup d'allure, ce modèle-là. Avec des manches un peu larges, bouffantes, de la dentelle. Voilà. Alors, je crois qu'il est fait dans la laine R de Drops. Donc, à voir. Je n'ai jamais tricoté cette... Non, c'est de la brushed alpaca silk. Je vous dis n'importe quoi. C'est de la brushed alpaca silk. Alors là, comme c'est un modèle Drops, vous pouvez l'avoir en français. Alors, si on va voir les projets. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas fait les manches aussi larges. Qui n'ont pas fait le pull très long. Mais voilà, c'est toujours intéressant de voir comment il a été interprété.
Mais il a un petit quelque chose, ce pull. Voilà. Alors ça. Alors ici, eh bien, c'est un exemple, le color tipped scarf du même genre que la Sophie Scarf de Petite Knit, mais un patron gratuit disponible en anglais sur le site de Pearl Sew. Voilà. Donc vous voyez, alors là, il n'y a pas l'I-cord, mais si vous cherchez bien, vous trouverez comment on fait un I-cord pour l'ajouter sur les bords. Et puis on n'est pas obligé d'avoir envie d'un I-cord, mais voilà. Donc voilà. Et pour finir, un patron de mitaine gratuit en français et en anglais, les Susie Rogers Reading Mits, je les trouve très mignonnes. Alors là, elles sont faites certainement avec du mohair dans celui-ci de modèle, et là sans mohair, avec une laine plus grosse. Donc c'est du déca. Donc si vous prenez un fil de fingering avec un fil de mohair, ça donne ça. Et franchement, je trouve ça très joli. Très très joli. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.